Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans cette partie 15 de la mission Armurier du Mécano qui va vous demander de modifier un ASVAL, pas un VSS, hein, bel et bien un ASVAL. Il faudra l'acheter sur le marché principalement, c'est là où vous aurez la meilleure source de ces petits ASVAL. Au niveau de l'avant, on va mettre sur le silencieux ici, on va pouvoir mettre le B3, l'anneau B3 où on va mettre dessus la NPEQ, hein, la NPEQ ici qui est... ce petit dispositif tactique. Au niveau du chargeur, il faudra forcément avoir un chargeur 30. Au niveau du viseur, c'est un NSPU, excusez-moi, hein, qui est une viseur en vision nocturne qui est vraiment ignoble. Et puis au niveau de l'arrière, il faudra changer la crosse pour pouvoir mettre à la place le rotor 43 pour ASVAL. Et on va mettre du coup une GL Shock pour gagner cet ergo comme on veut. Voici ici la liste du coût des pièces. Vous allez voir qu'il y en a certaines qui ne comptent pas. Ça va coûter environ 200 000 hein, cette arme-là. Pour ce modding, voilà, on enlève les pièces qu'on a déjà sur l'ASVAL. Voilà, 200 000 ici pour cette mission armurier du mécano. Essayez d'avoir un ASVAL avec au moins 80 de durabilité en réparé. Et puis, nous, on se retrouve dans tous les cas sur une prochaine vidéo. On va aller rendre ça à notre ami le mécano. Si en tout cas cette vidéo-là vous a plu ou vous aura aidé d'une quelconque manière, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, ça ferait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve sur le Discord, sur le Twitch. Les liens sont bien sûr en description. Allez, à plus. Ciao, ciao.